Alors, j'y vais. Et Rachid, tu lui... Non, écrase, non. Rachid quoi? Rien. Quand Rachid entre, il ne sait pas. Il a juste rendez-vous tournante, cave numéro 12. Il prend sa place dans la file. Il défait son pantalon. Il attend avant de baisser son slip. Je remarque ça. Certains ont de la pudeur vis-à-vis des autres queues. Là, j'avais de la pudeur. Je regarde pas la figure à chaque fois, on a failli se rater. Arrête. Il est sans force. Il tente de s'exciter. Il jette un œil sur moi, sa sœur. C'est une erreur. Il crie. Il a de la chance, tout le monde s'arrête. Moi, quand je crie, tout le monde continue. Mais c'est un homme. Vous restez les bras ballants, toi, avec les autres. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Vous le regardez tous avec le même sourire ennuyé. C'est ça la communication. Connerie portable. Il reste immobile. Il me fixe. Je me rhabille. J'ai pas assuré, l'information s'est propagée. Il y avait donc un moyen pour que ça s'arrête? Sur ce coup, j'étais minable. Il aurait suffi que tu sois mon frère.